Salut à tous, c'est Mister666. On se retrouve pour un nouvel épisode de Comment bien débuter sur Feed the Beast. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cet épisode 21 en vous crachant des objets à la gueule. Et oui, je vous montre une petite technique. Enfin, c'est pas une technique, mais c'est juste comment je fais pour avoir autant de scrapbox. Enfin, c'est pas comment les avoir, mais une petite technique. Regardez. Dès que vous en avez beaucoup, donc j'ai fait tourner vraiment beaucoup. Vous avez juste à cliquer là dans la projectable. Vous faites un clic droit, j'ai tout eu d'un coup là. Donc, comme un abruti, c'est pas grave. Au moins, ça sort pas mal de choses. C'est un peu inutile des fois. Donc, pas mal de choses en bois qui me sont totalement inutiles. Regardez tout ce que j'ai là. Par contre, il y a quelques trucs qui pourront nous être utiles comme ça. L'aluminium, bon, ça j'en ai de toute façon. Ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, vous voyez, ce genre de trucs là. Ça peut être très intéressant. Et ensuite les scrapbooks je les récupère, je les repose là-dedans. Et je refais le format. Hop, voilà. Et sinon, on peut poser ça. Donc aujourd'hui, comme on avait prévu la dernière fois, de faire une assembly table. Je vous remontre comment ça se craft. Hop, assembling table. Ouais, pardon. Ouais, assembly table. Donc là, vous voyez, il y a des plaques de fer. Donc pour ça, on avait regardé ça, comment ça marchait. Donc on s'est fait 3 pour les préparer, mais je vais vous montrer. Donc là, par exemple, il nous demande des refined iron. Tout simplement, vous en prenez un peu. On va aux machines. Hop, en espérant avoir assez d'énergie, parce que j'ai vu juste avant de tourner l'épisode que je n'avais pas assez. Bon, ça devrait aller. Il y a juste à poser un petit refined iron ici. Il n'y a pas assez d'énergie là. Aïe 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 aïe. Je pense qu'il est vide lui. Quoi? Il pompe bien du 32 là, non? Ok, attendez, je vais aller voir ce qu'il y a comme problème énergétique là. Pourtant non, ça devrait sortir de là, c'est ça que je comprends pas. Ouais, donc là c'est mort. Mais pourtant c'est du 32 U. Donc ça devrait sortir. Allô? Ah ouais, faut juste cliquer là-dessus. Et ça sort tout seul. Donc là, si je laisse comme ça. Oh, bon, je sais pas. C'est juste un petit bug. Donc vous voyez, c'est facile à faire. Vous pouvez faire avec tout ce que vous voulez. Voilà, donc j'en ai un tout petit peu en réserve. On peut reposer ça pour l'instant. Et donc l'assembly table, comme on vient de le voir, hop, voilà, donc on va se mettre dans la table de craft, tac, on va prendre celui-là, et j'ai tout préparé, hop, 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 et hop, voilà notre assembly table. Je vais aussi, je vous montre juste aussi que j'ai préparer beaucoup de chrome et de titanium, je vous montrerai pourquoi. Je vais les prendre également, et l'aluminium et le steel, je peux également prendre le diamond dust. Je me suis démerdé avec mes pioches, et ensuite je vais juste prendre tout ceci pour vous montrer. Ah mince, il me fallait en fait le diamond dust. Voilà, comme je vous avais dit, il fallait prendre des diamond dust. Mince, je me suis gouré. Hop, on retourne là. Donc l'assembly table, c'est du 32 upartic. Donc on va la mettre en dessus de la plate pending machine. Le jupeur, j'arrivais pas à cliquer. Hop, voilà. Alors tout d'abord, je vais vous continuer de vous expliquer comment marche. Ah bah ça continue. Ah, il n'y a pas assez d'énergie, donc on va arrêter. On va juste récupérer ça. Donc juste comment ça marche, j'espère qu'il y a assez d'énergie. Donc c'était pour faire des iridium plate, voilà. Donc pour ça, il nous fallait ceci. Donc on met là-dedans. J'ai juste pas bien regardé. Hop, c'est ça. Ok, donc 15, donc c'est ce que j'ai préparé. Donc le titanium, il faut le compresser comme quand vous le trouvez. Donc je vais essayer de vous montrer un minerai, mais bon, vous devrez trouver tout simplement.
dans les mines. Voilà, j'ai mon Iridium Alloy. Et ensuite, j'ai aussi mes Tetherals TNT. Donc voilà, c'est pas trop dur. Faut juste avoir pas mal de poudre de creeper, voilà. Donc j'ai mon Iridium Plate, ça pourra nous servir par la suite, mais vraiment beaucoup beaucoup. Mais tout ceci c'était pour faire, si je me rappelle bien, c'était pour faire ceci. Voilà, il nous fallait ceci, et par exemple pour cela il nous fallait ça. Donc on va se faire ces casings là, et également on peut se faire cela. Donc avec tout ce que j'ai pris, on va s'en faire déjà un tout petit peu. Voilà, voilà, donc cliquez là-dessus chaque fois. À voir, faut que je fasse un peu plus que ça. On va peut-être pas tous les mettre non plus, mais il nous en faut quand même une bonne quantité. Je sais pas si on peut mettre les deux d'un coup. Ouais, ça fait un après l'autre. Il nous en faut combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ensuite 1, 2, 3, 4, et sinon pour ça, non, il ne s'en faut pas. Donc 6 et 4, ouais, c'est bon, j'ai assez. Hop, on attend encore juste le dernier. Voilà, et maintenant autour du titanium. Ok, encore du chrome. Voilà, du titanium. Titanium, titanium. Il nous en faut 4. Bon, après, on va laisser tourner. Alors, on a tout cela, ça c'est craftable. Mais il nous faut également, pour mettre dans l'assembly table, il nous faut ceci. Bon, n'importe comment. Soit le living, je vous ai pas encore montré comment ça se marche, donc on va faire simplement avec de l'émeraude. Attendez, je viens de voir un truc là. C'est quoi là? Hop. Olivine. Emerald Dust. Ah, dans le macérator, ça nous en donne. Ah, malheureusement. Ok. Quel dommage. Et là, sinon, il faudrait qu'on récupère ça. Mais sinon, pour le Living Dust. Il y avait. Ah, voilà. Voilà. Du basalt dust dans l'industrial centrifuge. Ça nous donne de l'olivine dust au cas où. Mais on a un peu d'émeraude. Donc ça devrait jouer. Donc je vais aller rechercher. J'espère avoir assez d'électronique circuit advanced. J'en ai pas. Il nous faut ça. On va poser ça pour l'instant. On peut même ranger tout ça parce que ça devient le gros chenille. Ensuite, tac, et c'est bon, j'en ai encore assez. Il faudrait que j'aille le rechercher. Alors, tac, 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 tac. On va mettre pas mal quand même. On va s'en faire 10. Allez, on est des fous. Hop, 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 hop. Voilà, comme ceci. On peut pas tout reprendre, donc on va aller reposer tout ça. Tac, alors le redstone ici, ça là, et on peut récupérer ça sans problème. Alors on va juste aussi ranger ça pour l'instant, c'est pas grave, je viendrai la rechercher. Ça, je vais les remettre là-dedans. Hop. Et oui, aussi ces trucs, ces iridium plates seront pour les panneaux solaires avancés, donc on va pouvoir enfin évoluer dans les Ultimate Panels. Donc mince, la chrome, je vais la garder pour la faire après. Et le style, je sais pas pourquoi il est là, mais voilà pourquoi. Et l'aluminium, voilà. Alors il m'en faut 4, et ensuite 1 et 8. Ok, non, pas quarry, voilà. Il fait nuit, malheureusement j'aurais peut-être dû aller dormir.
Alors dans l'assembling machine, on met nos, on va pas en mettre, et on en met machine en feu 8. Voilà. C'est aussi long que ça. D'accord, ça a commencé. On va peut-être lui donner un tout petit peu d'énergie. Donc pour ça, on va aller dormir. Hop, comme ça, il y aura un peu de soleil. Donc, je sais, ça faisait longtemps que j'avais pas dormi. C'est un truc de fifou. Voilà. No problem for this. Voilà, je crois que sinon on a tout vu pour enfin, pour machine que je voulais montrer par rapport à la dernière fois. Et donc j'aimerais aussi crafter pour sa charge. J'aimerais crafter aussi un mining drill pour vous montrer comment faire la quarry puisqu'on en a, vous en avez besoin. Donc il nous faut soit des steel comme ça, voilà, donc c'est pareil. Voilà pourquoi j'avais mis les steel plates en réserve. Voilà, je me rappelle. Hop. Tac. Donc oui, j'ai remis les mobs, je sais pas pourquoi, mais voilà, moi il y a un peu plus. Alors, hop, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5. Tac, et sinon il nous faut quoi d'autre? Un comme ça. Une batterie et un petit électrique circuit. Voilà. Et on peut se le crafter ici. Non, il faut qu'on retourne là-bas d'abord pour se faire les plates. Hop. Alors. Ah bah voilà, on en a assez, je crois, maintenant. Hop. Là, ça va être fini. Donc, parfait. Ah, ça nous donne cela. Ok. Pas de problème. Pas de problème, monsieur. Voilà, je pensais qu'on a récupéré les autres puisque ça semblait plus logique. Hop, voilà, tac et tac. Ok, voilà, on a notre mining drill donc qui va être qui va remplacer la pioche. Je vous montre juste ça comme ça. On va pouvoir aller. Bon, on va creuser dans l'eau là. Vous voyez, je sais pas si je peux montrer pas pour la cobble, si j'en ai sous la main. Vous voyez, c'est ça marche à l'énergie comme tout ce qu'on veut par maintenant. Tout marche à l'énergie et on peut même se faire l'amélioration. Donc c'est la diamond drill directement, donc c'est parfait, on a tout. Il faut j'ai même tout sur moi, je crois. J'ai juste pas les diamants. Ah, j'ai non, j'ai juste pas la dust. On va mettre de la dust. Ou non, on va prendre les diamants, c'est plus facile. Tac, il nous en faut 3. Voilà, comme ceci, et ensuite on ira charger complètement, ou je le ferai tout seul. Ok, donc, no, pas de problème, monsieur. Des titanium, j'ai tout, hop, 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 voilà. Comme ceci, ça va beaucoup mieux, et on peut retourner, je pense, pour rechercher nos petits machins verts. Donc j'ai oublié le nom, parce que je regarde pas, ça a l'air tellement inutile. Voilà, parfait. Donc on peut nous se faire les casings. Vous, alors ça c'est bon. Je vais faire ça déjà avec. Alors tac 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 et tac. C'est pas ça. Super. J'étais sûr que j'allais faire encore faux ce truc. Donc aussi pour vous parler un tout petit peu, je suis en vacances dès aujourd'hui. Donc si vous regardez cette vidéo, enfin c'est le mardi, on est le mardi 18 juin, donc je suis en vacances dès aujourd'hui. Donc je vais pouvoir faire plus de vidéos
Ouais, plus de vidéos. Jusqu'à fin août. Désolé pour la sonnerie de l'école qui est à côté de chez moi. Donc, je sais pas si vous l'avez entendu. Donc, on veut faire ceci. Donc, il nous en faut 4. Ah, oh, mince, il nous en faudra 2. On va juste relancer puisque je viens de voir qu'il nous en fallait 8 en fait. Hop, et hop. Voilà. Il manquera de nouveau ces trucs. Donc, tac, 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 tac. Tac. Tac, 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 et tac. Ah bah non, ça nous en fait 4. Non, stop, stop, stop. Et mince. Bon, bah c'est pas grave, ça sera pour la suite. Et voilà, on a tout. On peut même s'en faire 4 alors. Tac, tac, tac. Bon, en fait, j'ai que 1 comme ça, donc je prépare la suite, je pense. Et voilà, nous avons 4 qu'on va pouvoir... on va mettre ça là comme ça. Donc là, vous voyez... Je sais pas si vous l'avez expliqué, mais là on a 2200K avec des casings moyens. Donc on va rajouter juste sur le tour, rien que ça, vous voyez, vous allez voir. Enfin, pas pour l'instant, mais faut que je me dépêche. Normalement, ça devrait augmenter. Voilà, 2240. Et je vais presque en mettre partout par la suite. Là, faudrait que je passe. On va aller derrière. Hop. Ouais, vous voyez le toit, il est magnifiquement fini. C'est tellement magnifique. Donc, on est là. Hop. Et voilà. Ça, c'est la même petite décoration. C'est magnifique. Et on va poser le mining drill ici. En diamant, donc on va pouvoir enlever ça. Et je crois que j'ai tout dit. J'ai juste montré que pour la prochaine fois, on va pouvoir se faire un solar panel avancé, puisque ça on peut se faire, vous voyez, c'est pas dur, enfin ça devient un peu compliqué, vous voyez les crafts, ça c'est bon, ça c'est bon, et sinon ce qui manque c'est ça, si je me rappelle bien, voilà, donc ça c'est bon, mais il faut ça, et pour cela il nous fallait juste, en fait non, il nous fallait juste ça, donc je le ferai, on le fera, et peut-être pour ça. Ah ouais, c'est vrai, il nous faut ça, donc c'est la prochaine chose à laquelle on va s'attaquer dans le prochain épisode. Donc c'est la Matter. Oula. Matter Fabricator. Where is it? J'ai pas mis de T. Voilà. Voilà. Le Matter Fabricator. Avec ça c'est bon, les téléporteurs, ça c'est faisable, ok, voilà pourquoi aussi nous avons besoin de tungstène, parce que pour avoir du tungstène, il faut pas que je perde ça, pour avoir du tungstène il faut que on augmente la capacité de celui-là pour pouvoir faire chauffer le tungstène que j'avais préparé là. Je suis pas sûr s'il y a assez là, mais. Ah oui, il y a juste assez, sauf qu'il n'y a pas assez d'énergie. Donc voilà, on pourra se faire du tungstène pour le Matter Fabricator et sinon ceci. Voilà, c'est tout bon. Donc il nous fallait quand même. J'en ai un là, j'en crafterai d'autres s'il y en a besoin. Et sinon, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Donc on a vu l'assembling machine, comment ça marche. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est utile juste pour un petit détail. Mais il faut quand même le faire. Au cas où, si vous savez pas, le basalte, c'est ce qu'il y a par exemple là-bas. Si vous voulez faire le Living Dust, vous avez vu comment ça marche. Et sinon, on a vu comment marche l'implosion furnace, comment marche la plane bend machine, et également le mining drill. Donc, je vais juste vous montrer vite fait. On va vite aller à la quarry. Hop. Il devient vraiment un gros bordel. Je vais peut-être les déplacer à l'intérieur parce qu'il y a des bugs. Donc bon. Hein. Ça fait un gros trou. Et là, ça commence à faire un gros trou. Et ici. Puisque là, vous voyez, toute cette couche est inutile. Donc j'ai lancé une autre quarry là en bas avec beaucoup de panneaux solaires. Puisque les premiers panneaux solaires sont faciles à faire. Et là, ça avance tranquillement. Voilà. Donc je vais juste vous montrer vite fait avec le mining drill.
Non, là par exemple. Ah mince, il y a le. Attendez, je vais juste essayer de trouver un endroit où je peux me poser. Mais là, il y a le Manic Fatigue, c'est pour ça que j'ai pas bien réussi à creuser. Voilà, on va se poser là. Ok, ça c'est bon. Vous voyez que c'est comme une pioche, sauf que ça marche à l'énergie, donc ça s'abîmera, ça se cassera jamais. Et surtout, dans un monde normal. Je vais vous montrer par exemple ça ici. Hop, par là-bas ou par ici, non, bon, par ici, voilà. Voyez, ça creuse même aussi vite, même presque plus vite. Vous voyez, c'est parfait et ça marche à l'énergie. On veut que de l'énergie, nous. Donc, je mettrai tout ça en place puisque déjà je commence à devenir, ça devient, commence, oula, ça commence à devenir le gros. Chenille là-dedans, juste pour vous dire que voilà. Donc, tout ça va être rangé pour se faire, pour pouvoir se faire une matter fabricator et avoir de l'humateur et faire plein de bonnes choses, puisque ce sera la base de notre nouvelle partie d'aventure. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous laisse profiter de la vidéo et à bientôt. Ciao.